Donc relégeant, donc voilà, je vais la tuer, donc 14-9 ça va vite. Je vais avoir des gigs ça, et en fait on a trouvé le piolet, on trouve la tronçonneuse. Donc prenez la tronçonneuse et une baril d'essence, mais le baril d'essence n'est pas vraiment nécessaire. Donc pour commencer, prenez le déo là, ça lui enlèvera, allez, allez, je veux dire, un cinquième des dégâts, et c'est, voilà quoi. Donc voilà, on prend la petite fille, on va dans un coin, et tant qu'elle est encore chaude, non, je... Oh, oh. Ah là là là, je suis déjà pris deux strikes sur cette chaîne YouTube, alors j'ai pas envie d'avoir un troisième. Deux, c'est déjà assez. Enfin, pour moi, je trouve. Donc voilà, on va là, on ouvre ça. Chut, ouverture porte. On va l'amener au truc du Sahara. À la machine là. Hop, on la dépose dedans. Télékinésie, attention. Non, comment est-ce qu'on dit? J'ai oublié. Gentille fille. Film de joie. Film de fille de joie. Bon. Avec la carte. Donc avec la, avec cette carte là. Pas piolet. Donc avec cette carte là, on sait ouvrir le bateau. Ouais, dans le bateau, il y a une petite. Il y a une petite. Une petite porte là qui est inaccessible. Bah, avec la carte dorée, on sait y accéder. C'est pour ça qu'il faut utiliser la deuxième phase, comme je vous ai parlé. Excusez-moi. Où il faut bah, tuer la petite fille, on va dire. Qui va revenir si vous. Vous faites le bazar. Allez, hop, on passe là. Alors c'est le moment le plus galère, parce que je me souviens pas du tout. Oh ben, en fait, c'est tout con. Quand vous êtes en survie, vous pouvez glisser loin de la paroi. Vous allez prendre un peu de dégâts, mais c'est pas ouf ouf. Bon ben, faut plonger. Y a pas grand chose à dire. En tout cas, le jeu pour tuer le boss, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs. C'est horrible. Enfin, c'est génial, là, le jeu est génial. Mais c'est horrible de tuer le boss, quoi. Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Un avis de merde, bien sûr, mais mon avis quand même. Donc si ma magnifique vidéo de merde vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, même si ça sert à rien. Enfin si, moi ça me sert. fallait partir par là, je crois, longer. Hop, 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 on longe, faut pas descendre. Enfin du moins, je me souviens pas. Voilà, donc faut pas descendre. Et là, on longe à... Gauche de nouveau. On va arriver à une corde. Je me souviens, toi, je me souviens plus. Ouais, donc ouais, fallait bien. Faut pas descendre. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, faut pas descendre. Hop, on arrive ici, on passe la paroi rocheuse. Ah. Je pense qu'on va prendre l'ascenseur ici. Donc voilà, là il y a les. Au début, je pensais que c'était les pilotes. Mais maintenant, je sais pas. Ils ont la même tête quand même. Au début, je pensais que c'était les pilotes, mais maintenant j'ai pas de confirmation là-dessus. Ouais,
Voilà, donc si vous voulez boire pour avoir le trophée, elle est ici. Elle est ici et vous buvez. Et vous avez le trophée. Voilà. On passe par ici. Dans le jour de petite grotte là. Ici, il y a des flèches. Je vais pas m'emmerder quand même. De fusée éclairante et là il doit y avoir des flèches sauf si je suis con. Allez bon on y... allez c'est bon, on ne saura jamais. Ça m'a saoulé. Donc ici on saute, ici hop on passe par là et là en face il y a l'ascenseur. On appelle l'ascenseur. Hop. Ah putain, je suis con. Je me disais bien que j'avançais doucement, mais je suis accroupi. On utilise la carte du Sahara. Il est marqué dessus. Je sais bien lire et jouer. Ah, c'est arrivé. Donc ici il y a la montagne que vous voyez. Donc ici c'est le complexe, si je me souviens bien. Donc là, ici au-dessus. Pour moi c'est un gros immo qui attire les avions. Voilà. Et quand on décide, donc pour finir avec Timmy, il faut activer l'ordinateur ici. Et si vous finir sans Timmy, il faut activer l'ordinateur. Et ceux qui veulent finir avec Timmy, ils appuient juste ici. Ils maintiennent, hop. Ça localise un avion. On voit Timmy, oh là là, Timmy. Non, tu es très précieux, tu es mon fils. Allez, clique. Allez, ça va vous faire deux fois. Ah. On décide d'activer l'aimant. Enfin, pour moi, c'est un aimant. Ne te dépêche pas, hein, surtout. Voilà, donc le truc se met en route. Enfin, l'aimant. Pour... Enfin, je vais appeler ça un aimant. Voilà. Voilà. Et maintenant, si on regarde bien... Pouf! Et c'est la fin du jeu! Je vous le dis, moi! Et eh bien voilà, c'est comme ceci que le jeu se finit. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Voilà, donc ils ont été sauvés parce qu'ils ont retrouvé l'avion qui a été écrasé. Du coup, ils passent à la télé. Et son fils qui a des petits tics là. Et lui a écrit un livre. Voilà. C'est la hache moderne. Ils vont décider d'aller couper un arbre. Quelle bonne idée!
Alors là, il dit non, et l'autre il dit allez, s'il vous plaît. Enfin, je suppose. Je parle pas anglais, hein. Qu'on soit bien d'accord. Je parle pas anglais, j'apprends l'allemand, mais je connais pas l'allemand. Il a perdu de la force parce qu'il est nul pour taper. Là il repense, regardez de la rouille. Oh mon dieu, de la rouille. Calme-toi, regarde, t'as des dents. Bah, il a des belles dents pour si jeune garçon. Enfin, je suppose garçon. Enfin, là, je suis même sûr. Ah, ben bah, voilà, j'ai reçu le trophée vegan. Je suis trop fort. J'ai même pas du dentifrice, ça lui. Et voilà, qui c'est? C'est Timmy. Enfin, Timmy. Il se lave même pas la brosse à dents. Hop, pour une bouteille d'alcool. Et voilà, et là, ce qu'on a en face, c'est toutes les cartes qu'on devait trouver normalement. Qui parlent de toute l'histoire de The Forest. Et normalement, ça serait la suite, enfin, ce qui va arriver de ce Forest 2. Voilà, voilà. Ça serait la suite. Et bien voilà. Tout le monde, merci d'avoir regardé. Je vous aime. Vous faites des bisous sur l'anus. Enfin, Kofi. Et voilà. Donc, au revoir.